Alléluia. C'est l'église. Je voudrais demander au vénérable sénateur la première nouvelle. Les dieux, soyez salués au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce du Tout-Puissant, c'est lui qui ne fait exception de personne, cause chacun de nous ici. Amen. Et que seule sa volonté s'imprime dans vos vies. Frères athées, les nouvelles ce matin sont bonnes. C'est dimanche. Nos patients, nous avions entendu des chants. Et comme nous savions qu'il y a un créateur, nous sommes venus saluer le peuple de Dieu et participer au culte avec nous. Merci, sénateur. La première nouvelle a été donnée par le sénateur. Ok. Donc, pasteur, chers frères et sœurs, voici donc la toute première nouvelle. Et par principe du cérémonial d'accueil, on va donc demander au groupe musical de nous accorder cette escale musicale pour que nous puissions souffler, respirer bien, respirer, que nous puissions entendre la deuxième nouvelle tout à l'heure. Tout le monde peut vous lâcher dans cette aventure,
Mais si vous allez dans la maison de Dieu, vous aurez quelqu'un pour vous assister et pour vous sauver. 2009, aujourd'hui, elles sont devenues des femmes comme des enfants. Et si le père que je suis donne de tels conseils, pourquoi moi-même je ne me réfugierai pas dans la maison de Dieu lorsque le besoin se fait sentir? Je suis venu ce matin me réfugier dans la maison de Dieu parce que une mission m'a été confiée. Dans quelques jours, nous allons aux élections. Je suis maire de Jacqueline depuis 10 ans. Je l'ai été 2 fois avec mes amis dans un cadre d'indépendant. Cette année, ma grande surprise, c'est que c'est le président de la République lui-même qui me met en mission. Lorsque je partais moi-même en mission, j'avais droit à l'erreur. Mais lorsque la première autorité du pays qui a entre ses mains toutes les clés du développement me met en mission, je sais qu'il y a un piège dedans. Le piège, c'est: est-ce que tes parents t'aiment? Est-ce que tu as vraiment le choix de tes parents? Je suis venu ce matin à l'église des assemblées de Dieu pour demander des prières, pour demander la bénédiction de Dieu, parce que je sais que les hommes vont voter, ça veut dire prochain. Mais celui qui en dernier ressort va choisir, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je suis devant vous, peuple de Dieu, à l'église des assemblées de Dieu, pour solliciter vos prières, pour que ce qui se prépare soit beau, soit grand, pas pour moi, mais pour le peuple de Jacqueline, pour le développement de Jacqueline. Merci beaucoup. Merci, monsieur. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, chantant et bénissant. Membre de la médiation qui sera choisi par le président de la République pour que nous puissions faire de telle sorte qu'il y ait la paix et la cohésion dans nos départements de Jacques. C'est vrai, un jour, des personnes sont venues et ces personnes ont été guéries de la lèpre. Mais une seule personne est venue demander.
Vous êtes des milliers, vous êtes beaucoup qui êtes des candidats. Nous prions pour vous. Le souhait que nous avons, que Dieu oriente toutes choses. Qu'il n'y ait pas d'insecte ici, à Jacques-Ville. J'ai été choisi pendant les élections présidentielles comme un superviseur. Je sais comment on m'a traité dans cette école parce qu'il y avait un bulletin où il y avait une tache dessus. On me disait, où mettre ce bulletin? J'ai dit, comme il y avait une tache de bulletin nul, on m'a dit, toi tu es pasteur, et puis tu n'es pas droit, tu es mauvais. On m'a traité de tous les noms. Or, la formation qu'on a eue, quand un bulletin est entaché, ce bulletin ne doit pas rentrer dans les yeux. Nous savons tout cela. Et pour dire à cette délégation, nos prières vous accompagneront. Nos prières sont pour le bien-être de Jacques-Ville. Nos prières sont que Dieu permette que tout ce que Dieu veut que ce soit à Jacques-Ville, il soit. Parce que cette ville, si on dit qu'il doit prier, c'est écrit l'Assemblée de Dieu. Pendant la crise, nous avons hébergé plus de 2000 personnes ici. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Aucun n'est mort parmi ceux qui étaient ici. Même pas un enfant. Ils avaient faim, mais je prenais ma voiture avec M. Guidé. On partait dans les villages. On prenait un ticket à crédit. On donnait aux gens pour manger. Et chaque dimanche, quand il y a des entrées, je prends l'argent pour aller rembourser. Et ceux-là n'étaient pas les membres de l'Église Assemblée des Dieux. Ils n'étaient pas tous des chrétiens. Il y avait des musulmans, il y avait tout le monde dedans. Dieu nous a utilisés pour ça. Et Dieu a conduit chacun de nous. Ce Dieu-là, nous le savons toujours présent. Nous le savons toujours efficace. Parce que son souhait est qu'il y ait la paix. La Bible nous dit... Notre paix dépend de la tranquillité du pays où nous sommes. S'il y a la paix dans le pays, s'il y a la paix dans le département, nous on peut continuer à prier le Seigneur. Mais s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas de tranquillité, on ne peut pas prier le Seigneur. Donc voilà la mission à laquelle nous sommes appelés pour qu'il y ait une réussite totale dans notre département de Jacques-Ville. Pour qu'il y ait tout ce que Dieu veut, pour que rien ne soit quelque chose qui va venir entacher le bien-être de Jacques-Ville. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur. Ici, les enseignants ne sont pas beaucoup. Chairman, Mr. Chairman, please come on. Voilà. Mets de cœur la chorale d'ici. Ils sont beaucoup. Pour dire, nous sommes fondus dans le peuple. Nous sommes moulés dans le peuple. Seulement, je ne sais pas m'exprimer en arrière. Parce que vous les regardez, vous êtes quelque part et puis on est quelque part. C'est ça qui fait complication. Il y a des grands là-bas. Il va grandir, toi tu n'es pas là-bas. Toi tu es plus bas. Mais là, c'est juste que tu parles français. Donc, bien aimés frères, nous avons compris. L'Église a compris. L'Église a la politique. C'est-à-dire, nous on ne fait pas politique. Mais dans l'Église, il y a des êtres humains qui appartiennent au pays. Et quoi qu'il en soit, Dieu fera sa volonté. Quoi qu'il en soit, Dieu fera sa volonté. Et nous sommes convaincus, ce Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu sourd. Et pour vous dire, soyez les bienvenus. On ne va pas prendre trop de votre temps. Je sais que le temps est cher actuellement pour vous là. Vous êtes assis là, regardez. Il faut finir en partie. Moi, je vais vous retenir jusqu'au soir. Le bateau, il faut finir en partie. Oui, j'ai fini. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Pour votre présence et que la garde de Dieu soit sur vous. Tu peux être sur s'il te plaît. Nous allons prier le Seigneur. L'église du Seigneur, on va prier le Seigneur. Grande est ma joie de t'appartenir. Grande est ma joie d'être ton serviteur. Grande est ma joie de marcher ta compagnie. Toi, le Dieu qui sait tout et qui fait toutes choses. Ce matin, nous élevons la voix vers toi pour notre département. Voilà un de tes enfants qui est venu solliciter la prière parce qu'il a décrit que la mission à lui confier est une grande mission et il ne voulait pas échouer. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos.
Seigneur, ta parole est sincère et nette. Nous bénissons ton nom. Ils sont venus. Que ta grâce les accompagne. Nous connaissons les embûches de l'ennemi. C'est vrai, ils sont beaucoup partout. Ils passent. Qu'il n'y ait même pas quelqu'un qui puisse toucher la vie de quelqu'un. Préserve la vie de toute cette population de Jacques-Ville. Seigneur, on sait aussi, les gens suscitent des personnes pour qu'il y ait des querelles, pour qu'il y ait des mésententes, et que tous ceux qui sont à la base, pour que ces choses-là arrivent, que leur soit vouée à l'échec, que leur entreprise soit vouée à l'échec. Nous voulons la paix, nous voulons la tranquillité, nous voulons la gloire de l'Éternel. Merci d'envoyer tes enfants, merci de les accompagner, de diriger leur pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons prié. C'est notre rôle. Dieu nous a entendus. Et sa volonté sera faite. Ce que je peux maintenant dire, c'est vrai, quand on prie Dieu, nous on parle, il faut écouter Dieu. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Parce que Dieu, l'écouter, c'est dans le secret. C'est dans le calme. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen. Je vous appelle. Je crois que Landry, voilà le micro qui est fini de prier. J'avais parlé, vous savez, Dieu fait rien pour rien. Un jour, j'étais en train de faire, vous avez parti, monsieur le maire. Quand passé par le micro, il est dur, hein. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas tout de suite. Un jour, j'étais en train de nous manifester, on devait faire une sortie pour l'attaque. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, toi, pasteur là, il faut prendre l'argent là-bas, l'argent qui rentre, quand tu vas, les transports. Il a dit, non, chacun donne 1000 francs, on va partir. Mais il était fâché. Et devant tout le monde. Vraiment, il m'a traité comme il voulait. Et puis, du coup, voilà un véhicule qui rentre dans le village. C'est les Américains, un couple américain. Quand ils ont mis l'attroupement, ils sont venus vers moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, vous avez vu, vous êtes là. C'est pas ce qu'il y a parce que c'est la Pâque. C'est écrit, j'ai dit, oui, c'est écrit. Bon, nous sommes venus pour faire une participation, pour que vous partiez faire votre sortie de Pâques. Voilà, 100 000 francs. Celui qui criait là, il était là. Il a crié sur moi. Il a dit, bon, chrétien, gardez votre argent. Quelqu'un a donné 100 000, on va faire la sortie. Il dit, je ne veux plus avec lui, je ne veux plus. Il dit, oh, on va partir. Il dit, il ne va plus. Donc, il a refusé de partir. Il y avait une honte. C'est pour dire, Dieu sait ce qu'il fait. C'est pour dire cela, pour dire, en toute chose, l'homme doit glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vraiment, je ne vais pas vous retenir. Allez dans la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Merci beaucoup. Merci.